Nous sommes à 40 km au sud-ouest d'Angers et ces arbres-là sont connus dans tout le Maine-et-Loire. Bienvenue au château du Martreil, dans le pays des Mauges, réputé pour son parc de 35 hectares. La douceur du climat angevin et les 660 mm de pluie annuelle en moyenne, plus qu'en Île-de-France, ont permis à une centaine d'espèces d'arbres exotiques ou rares de s'enraciner ici. Cèdre du Liban, séquoia, liquidambar, Jacques et Patrick vont vous raconter l'histoire de ces arbres centenaires, mais aussi les aléas de leur vie de châtelain, car tous les deux ont fait le choix de vivre ici toute l'année. Et nous sortons par tous les temps. Nous sommes des grenouilles et nous aimons la pluie. Quand on se balade dans le parc du Martreil, quelle que soit la saison, on a de fortes chances de croiser Patrick et Jacques, même quand il pleut des cordes. Ils sont les propriétaires actuels du château, frères, mais surtout complices de jardinage. Tac, tiens, regarde donc. Ouh la vache. Ah bah oui, si tu commences à tout arracher, ça va pas aller. Ça. La douceur angevine, c'est beaucoup d'humidité. Mais on est très content de voir de la pluie après un été très très chaud, parce que la nature souffre énormément. Il y a 10 jours, c'était un paillasson. Hein. Et là, en 2 jours, tout reverdi, ça fait beaucoup de bien aux arbres. Hein. Nous, on est très attentifs à ça. Le domaine est dans la famille des deux frères depuis 1837, date à laquelle leur aïeul a entrepris la construction du château sur une colline. On a donc, par très beau temps, une vue qui se prolonge très très loin vers ce qu'on veut mettre en valeur, c'est-à-dire le paysage environnant. La vue n'est pas très dégagée, mais ça donne un petit côté aujourd'hui écossais qui est sympathique. Mais cette situation en hauteur a aussi ses inconvénients. On n'est pas abrité en fait, hein. Donc là on se prend toutes les tempêtes, le vent, la pluie, ce qui cause quelques petits dégâts sur les toitures. Alors, on a une petite tornade l'hiver dernier, le paratonnerre en a pris un petit coup, là il a un petit air un petit peu penché. Dès qu'il y a une tempête, on est très inquiet à la fois pour le toit, mais aussi pour les arbres qui sont fragiles, et on a des arbres comme ce cèdre du Liban qui sont très 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 sensibles au vent parce qu'ils ont une ramure très importante et des racines qui ne sont pas très profondes, et quand le vent prend dans ses branches, l'arbre tombe. Et on a eu en 1967 une tempête durant laquelle dans la nuit il est tombé 35 cèdres du Liban. Alors ça, c'est tombé. Ouais, ça bouge, là. Oui, méfie-toi. Attention, parce que là, ça bouge. Alors ça aussi, un petit avantage, c'est que ça permet de nettoyer les arbres. Souvent, quand on a une tempête, comme ça, c'est les branches mortes qui tombent. On met tout ça dans le bûcher et ça permet à chauffer le château l'hiver. Mais leurs journées d'hiver sont loin de s'écouler tranquillement au coin du feu. À l'intérieur aussi, Patrick et Jacques s'occupent de l'entretien. Et contre les ardoises du toit qui cèdent sous le vent et laissent passer la pluie, ils ont une technique imparable. C'est la technique du pot de chambre. Très utile. Quand on a des fuites dans le toit, eh bien, on met sous la gouttière des pots de chambre. Quand il y a des très fortes pluies comme aujourd'hui, voilà, il faut faire le tour de la maison et regarder un petit peu si tout se passe bien dans les greniers. Là, c'est sec parce qu'on a fait faire des petits travaux quand même. Et voilà, ça va, j'espère, pas trop couler. Ces petits tracas, Jacques et Patrick s'en accommodent fort bien, car ils sont le prix à payer pour vivre dans une maison chargée de souvenirs. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. T'as vu comme j'étais beau? Ouais, t'as bien changé, mon pauvre garçon. C'est tous nés ici, et c'est sympa d'habiter dans l'endroit où on est né. Peut-être qu'on y mourra aussi, ce sera très bien. Mais c'est un peu une folie. C'est un peu une folie. Oui, c'est vrai que c'est une folie. Parce que l'entretien est compliqué. Le chauffage est plus que compliqué. C'est la maison des courants d'air, donc il y a quelques pièces qui sont chauffées, et puis le reste, hors gel. La vie de château, c'est sympa. C'est très sympa, l'été. Mais l'hiver, on rêve tous d'avoir un petit appartement en ville. Un rêve vite oublié quand ils se retrouvent au milieu de leurs arbres. Jacques et Patrick assurent tous les deux l'entretien de l'intégralité du parc et ils s'y baladent rarement sans un outil en main. Tac, hop, vas-y, tiens, mets-toi dessous. Hop là.
Chaque année, ils replantent 200 à 300 arbres, une manière de continuer l'œuvre de leur ancêtre qui, au 19e siècle, en pleine mode de l'exotisme, a fait venir des espèces d'Asie ou d'Amérique comme ces trois liquides en barre. L'un mesure 42 mètres de haut, ce qui en fait vraisemblablement le plus haut de France et peut-être d'Europe. C'est originaire de la côte est des États-Unis. En fait, cet arbre est l'ancêtre du chewing-gum parce que la sève du liquide en barre a une consistance gommeuse, un peu comme du chewing-gum. Et autrefois, les Indiens d'Amérique y mâchaient la sève du liquide en barre pour calmer leurs maux de ventre. Je suis surtout reconnaissant aux ancêtres d'avoir planté ces essences. Si les arbres pouvaient parler, ils nous raconteraient des choses assez extraordinaires. Et notamment, ici, nous avons des chênes têtards qui ont à peu près 500 ans. Et ces arbres, qui étaient déjà vivants du temps d'Henri IV, ont vu des scènes de bataille terribles pendant la Révolution, puisque ici, on est dans le pays des guerres de Vendée. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il y a 2 ans maintenant, ils se sont ouverts tous les deux. Ils sont nés ensemble et ils meurent ensemble, en fait. C'est une belle histoire d'amitié, de fidélité entre deux arbres. Des histoires d'amitié, mais surtout une belle histoire de famille qui, il l'espère, se poursuivra au Martreuil pendant encore pas mal d'années.